dans le son, on peut vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue à cette troisième vigile commémorative pour les victimes de bavures policières. On est ici pour la troisième année de suite à l'invitation des familles de Mohamed Anas Bélé, Claudio Castagneta, Ben Matson, Kylian Regis, Gladys Tourné, Freddy Villanueva. Et cette année, on a une nouvelle famille qui est ajoutée à notre coalition, celle de Jean-François Nambeau. Donc, toutes ces personnes que j'ai nommées sont des gens qui ont été tués par des policiers, ou bien ici à Montréal, ailleurs au Québec, ou même jusqu'à Vancouver. Parce que oui, partout où il y a de la police, il y a des amis policiers et malheureusement des décès causés par la police. Et partout, c'est la même histoire, c'est-à-dire que les familles réclament premièrement de savoir ce qui s'est passé, demandent la justice, et finalement, se frappent au mur du silence de l'omerta policière qui protège tout entre eux autres, du gouvernement, du système judiciaire qui protège les policiers en ne déposant jamais d'accusation qu'on peut pour tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on est ici. Et le but, c'est de commémorer les gens qui ont perdu la vie aux mains de la police et de donner la parole aux familles qui luttent encore pour certains depuis plus de 10 ans pour avoir la justice, la vérité et la dignité. There are 3 police forces involved in my mother's death. There was the Sûreté de Québec that killed my mother. There's the Kitigan-CV police that had jurisdiction to protect the body and the scene. And the Montreal police arrived 8 hours later. Everything was done. The brother of the cop who killed my mother was in charge of the scene. This is not right. I demand an independent investigation from Quebec. There's so much conflict of interest. 9 août 2008, Freddy Villanueva, âgé de 18 ans, est tombé sous les balles de la police, est tombé sous les balles tirées par l'agent Jean de Lapointe, matricule 3776, a fait feu sur 3 jeunes hommes qui n'avaient aucune arme dans les mains. Comme on sait, la Sûreté du Québec a fait enquête sur cet événement-là et la Sûreté du Québec a fait un très bon travail pour ne pas trouver de preuves permettant d'accuser Jean de Lapointe de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et de voies de fait grave, et ainsi de suite. De sorte que le directeur de poursuite criminelle et pénale a décidé de ne retenir aucune accusation et au lieu de ça, on a eu une enquête publique. Losing a loved one is one of the hardest things to go through in life, but losing them in such a violent, surreal way is beyond imagination, especially at the hands of those we are led to believe are here to serve and protect. So we're here in front of the police brotherhood because part of impunity is that every time that someone is killed by the police, it's the brotherhood are the people who defend them. It's always the police who do the investigations into the police, and this is actually the place where that takes place. Next up, we have speaking the family and friends of Jean-François Nadreau, who was killed very recently in Hochelaga by the police. Je connais Jean-François depuis le secondaire. C'est une personne qui est extrêmement ouvert d'esprit. Puis, c'est devenu mon confident assez rapidement. Jean-François Nadreau était quelqu'un de très généreux et poli avec tout le monde. Il avait plein d'amis. Il était aimé par tout le monde. Donc, c'est ça. Pour ne pas l'aimer, finalement, ça n'allait pas être normal. C'était quelqu'un de vraiment travaillant, aucunement paresseux. C'était un bon père, un bon conjoint, un bon ami. Il avait beaucoup d'ambition dans la vie. Puis c'est ça, c'était vraiment quelqu'un d'idéal. C'est arrivé le 16 février dernier, vers 7h45 du matin environ. Il avait passé la nuit
dehors parce que, je sais pas, ça allait pas bien, puis il est allé prendre l'air avec quelqu'un, une de ses amies. J'ai vu un policier devant sa porte. J'ai fait « Merde, j'espère qu'il n'est pas arrivé à quelque chose à Jean-François pendant qu'il y a eu une autre intervention. » J'ai posé la question « Qu'est-ce qui est arrivé? » »« Ah, une intervention policière, OK. » C'est ça, ce matin-là, il est arrivé à la maison en pleurant. Puis il a commencé comme à se couper, mais c'était pas des petites coupures, là. C'était vraiment comme des coupures qui étaient comme... J'avais peur qu'il mette fin à ses jours. Fait que j'ai appelé le 911 parce que je voulais qu'on le sauve. Au 911, ils m'ont demandé comme plein d'informations sur lui, comme vraiment tout savoir de la tête aux pieds. Bon, ça a l'air que sa date de naissance, son nom, sa date de naissance, tout ça, c'était comme pas assez, là. Puis pendant ce temps-là, je disais « Dépêchez-vous, comme vous me posez plein de questions, mais c'est comme vraiment le temps que vous en venez, là. » Puis la personne du 911 était comme vraiment bête avec moi. « Arrêtez de paniquer devant lui, vous allez pas l'aider! » Puis en tout cas, elle était vraiment bête, là. Ça a pris peut-être 5 à 10 minutes avant qu'il arrive, mais c'était vraiment long, ça a paru comme une éternité. Moi, j'étais contente qu'il arrive, mais moi, je m'attendais à voir comme des ambulanciers. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu... Il y avait 5 policiers qui n'avaient pas de marceau de rentrer, puis ils étaient comme ça. Puis là, Jean-François, il s'est retourné. Il a regardé dans le cadre de porte, il les a vus. Il a comme rien dit, comme pendant une fraction de seconde. Puis là, il a pris sa machette de collection qu'il avait à côté de lui, mais c'était pas une machette comme une vraie machette de guerrier, là. C'était une machette de collection, puis elle était même pas aiguisée. Sauf que eux, ça les a comme impressionnés de voir ça, là. Fait qu'il a pris ça, puis il a avancé vers eux autres. Puis il a dit « Allez-vous-en d'ici! » Puis là, c'est là qu'ils ont tout de suite tiré « Pow! » dans le thorax. Puis c'est ça. C'est comme, ils sont même pas rentrés dans l'appartement. C'est comme vraiment passé dans le cadre de porte. Je m'en vais chez nous, puis c'est là que la famille sont venus me voir pour me dire que Jean-François était décédé. Il aurait pu comme juste comme reculer, puis dire comme « Attention, là, tu sais, relax, on n'est pas ici comme pour te faire du mal. » Mais à place de faire ça, ils ont tiré carrément. Tu sais, je peux croire qu'il a eu peur, sauf que je trouve que c'est comme vraiment comme une façon... C'est une façon brutale, c'est une façon comme trop facile de dire « Bon, ben, OK, j'ai un peu peur, là, fait que je te tire. » Il faut considérer que quand tu es un policier, tu vas protéger et servir. C'est pour ça que tu vas dans la police. Il faut que tu sois... que tu aies autant d'estime pour tous les citoyens. Que ce soit un sans-abri, que ce soit un citoyen comme Jean-François que tout le monde, franchement, tout le monde qui connaît l'aime. Et juste parce qu'il a une barbe très. C'est ça, une barbe, puis qui s'habille gothique un peu. Donc, je crois que ça a été sûrement un jugement trop rapide de la personne. Il n'a pas essayé de parler à Jean-François parce qu'il est tout à fait parlable. Donc, tout le monde ne comprend pas. La réaction générale, c'est qu'on ne comprend pas comment ça peut arriver, mais on sait que c'est arrivé. Parce que moi, j'ai comme l'impression là, qu'ils font une formation, ils forment pour telle chose, puis que situation de détresse, s'ils ont mis ça de côté, ils ont tassé ça complètement. Le fait de vouloir protéger sa propre vie, le policier, je crois qu'ils sont formés pour protéger leur propre vie, tandis que quand tu choisis un métier comme ça, c'est le danger est présent. C'est pas... La formation, ça ne devrait pas être axée sur protéger sa vie quand quelqu'un est à 6 mètres de toi avec un couteau et qu'il n'est pas en train de t'attaquer et que tu es 5. Je ne connais pas les résultats de l'enquête encore. Ouais, non. J'ai fait comme une plainte en déontologie 2 fois, mais j'ai jamais obtenu de réponse. Puis un peu plus bas, je parle aussi des résultats d'enquête que j'aimerais ça comme les avoir. Mais je suis même pas certaine que, selon la loi, là, vraiment, ils sont-ils vraiment obligés de me donner les résultats de l'enquête? Ça, je me le demande. And they're not giving it to you. Je l'ai demandé, sauf que non. Puis ils ont pas l'air pressés non plus de me le donner. J'ai senti sur le coup qu'il fallait que je défende la réputation de Jean-François, puisqu'il était à... Elle a été abîmée par les médias de masse à ce moment-là. Ça parle d'une machette, ça parle de choses comme ça, mais ça parle pas de comment la police est arrivée chez nous comme une armée canadienne pour le faire paniquer, par exemple. Ça, on n'en parle pas de ça parce que les policiers, on les protège tout le temps.
ça qui l'avait fait paniquer, c'est pas grave. Là. C'est comme si c'était lui, là. C'est de sa faute à lui, là. Puis comme eux autres, là, ils ont juste comme bien fait leur travail, puis c'est parfait comme ça, c'est ça qu'il avait à faire. Moi, je vois ça un peu comme ça, tu sais. Puis dans le fond, je pense que j'ai raison. Aussi, ils ont mis des photos de lui, OK? Il y avait le choix, là. J'ai vu sur le site qu'ils ont pris les photos, il y avait le choix d'une centaine de photos. Ils ont pris les deux photos de lui, mais les pires photos. Une photo où ce que vraiment il fait exprès pour faire comme... Tu sais, comme une photo comme vient tout battre, là. Mais c'est une photo, puis ça représente absolument, absolument pas qu'est-ce que lui, il était. Comme moi, je peux prendre des photos des fois, puis comme je peux faire des blagues en prenant mes photos. Mais c'est pas une photo réelle de lui. Une photo réelle de lui, c'est plus comme une photo où il sourit. Ça, c'est une photo réelle, parce qu'il souriait tout le temps. Il se promenait pas dans la rue, puis de même, là. Vraiment pas. Puis aussi, ils ont même pris une photo de lui dans son costume d'Halloween. Puis il est comme déguisé. Il est tout en noir. Il a les cheveux peignés comme ça. Puis il a du gros, gros noir comme ça ici, là. Puis il fait ça comme ça. Mais c'est l'Halloween. C'est un costume d'Halloween. Et encore là, c'est une photo où ce qu'il fait exprès pour que la photo fit bien avec son costume d'Halloween. Fait que c'est aucunement lui. Il a jamais eu ce style-là. Mais pour les personnes qui le connaissent pas, ils savent pas, eux, que c'est un déguisement, ça. Ils sont comme aucunement au courant. Fait que c'est juste pour montrer, ah, regardez, ben la police, genre, l'a tué, puis la police a bien fait, tu sais. C'est comme pour essayer de démontrer ça au public, alors que ça a absolument rien à voir. Ce qu'il a filmé, donc, son patron, ou je sais pas, je connais pas, là, mais c'est clair qu'il y avait un parti pris dans ce qu'ils ont écrit, puis que c'était pour protéger les policiers dans l'intervention. Je comprends que c'est important de garder le courage en nos forces de l'ordre, mais de là à traiter de forcené, mon ami, c'est vraiment pas forcené. Have you lost confidence with the police force? Would you call them again for anything? Je pense que c'est vraiment plate à dire, là, mais premièrement, la personne du 911 m'a fait paniquer encore plus que ce que je paniquais. Eux m'ont fait paniquer, puis eux l'ont fait paniquer. Je pense que, sérieusement, c'est vraiment plate, parce que sur le coup, non. Tu sais, je me dis, OK, ben pour qu'ils survivent, faut que j'appelle. Sauf que, finalement, c'est comme... C'est vraiment ça qui est comme vraiment le plus difficile pour moi. C'est que je me dis, moi, j'aurais été meilleure pour l'aider tout seul qu'en appelant eux. Il y aurait eu plus de chances de survivre, mais moi, sur le coup, c'est pas ça que je pensais. Là. Moi, dans ma tête, là, c'est comme, ils étaient là pour nous protéger, là. Fait que là, je me sens comme si ça avait été comme de la naïveté. Puis justement, la naïveté, je vais vous dire de où elle vient, cette naïveté-là. De qu'est-ce que les médias essaient de représenter sur la police depuis, je parle pas de cette année nécessairement, mais depuis toutes les dernières années. Donc, les gens, on pense que si on a un problème ou n'importe quoi, ils vont être là pour nous aider. Mais qu'est-ce qui représente le pourcentage de bien qu'ils représentent par rapport aux policiers? C'est trop haut, c'est trop gros. Fait que c'est ça qui faisait que je leur faisais comme plus confiance. Ils s'arrangent pour qu'on leur fasse confiance, mais c'est une confiance aveugle qui est complètement détruite par la suite quand on se rend compte de qu'est-ce que ça peut faire. Ça reste que chacun est différent, chaque policier est différent, mais c'est sûr que je suis très méfiant, en général, et surtout avec ce qui est arrivé avec les étudiants. Why did you choose this place to have the interview? Honnêtement, Ben, c'est une place qu'on venait souvent ici ensemble. Là. Parce qu'on habitait comme juste en arrière. Donc, c'est sûr que cet endroit-là me fait beaucoup penser à lui. Pour moi, ici, c'est un endroit comme... qui est beaucoup émotionnel. À quelque part, c'est l'endroit ici où je me sens le mieux, comme c'est l'endroit où je me sens le plus mal, dans les deux extrêmes. Je me sens comme... Ben, je me sens plus proche de lui, mais en même temps, comme je me sens plus loin, parce que ça me fait comme me rappeler. C'est nécessaire d'avoir une enquête qui est autant indépendante, autant publique, donc qui implique les citoyens aussi, ou qu'on puisse voir par nous-mêmes les faits, parce qu'en ce moment,
Toutes les enquêtes qui ont eu lieu étaient par la police, pour la police. Ça pourrait fonctionner, mais on voit que non. Donc, il n'y a pas eu de mise à pied ou de moyens de moyens de... j'ai punition, mais en tout cas, des moyens de... Donc, il y a une impunité. On voit que ça dans les, après les résultats des enquêtes qui ont eu lieu depuis 10 ans, depuis 20, 30 ans, sur des cas comme des baveurs comme celle de Jean-François, donc aucune suspension ou quelques-unes. Oui, c'est ça. Donc, on veut voir les faits. Puis, des cas comme le matricule 728, je crois que c'est seulement la pointe de l'iceberg. Donc, il faut aller profondément, puis il faut avoir... les seuls qui peuvent avoir assez de courage pour aller au profond puis de faire le ménage là-dedans, bien, c'est ceux qui ne sont pas impliqués là-dedans. Puis je crois que ça va même rendre service à plein de policiers qui, eux, veulent voir leurs confrères des fois abusés puis qu'ils ne peuvent rien faire eux-mêmes. Donc je crois que les citoyens, une enquête publique va rendre service à tout le monde. On veut avoir un service de police qui est efficace, puis qu'on peut avoir confiance en, puis c'est ça qui va nous le redonner. Que j'aimerais un jour voir que les choses comme peuvent bouger puis peuvent avancer. Je vais être comme tellement comme contente, genre, ça va me faire comme vraiment comme chaud au cœur de savoir que ça fera pas ça. Je veux pas que ça fasse ça à d'autres personnes. Sauf qu'en même temps, j'ai avoir l'impression que la vie de Jean-François puis celle de ses proches aussi, parce que c'est comme une mort pour nous autres aussi, là. C'est une mort intérieure. Que Jean-François et nous, on va avoir été comme les cobayes. Ça me fâche. Mais je veux pas que ça continue.